Et hey, yo tout le monde, c'est Sangotra, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Star Wars. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau mock qui participera au concours de Ninja Go Lego. Un nouveau mock, donc inédit sur ma chaîne, puisque je n'avais jamais fait des comme ça. C'est. Si peut-être. Hein. C'est un mock full paysage. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune construction, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de base, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui je suis plutôt content de vous présenter ce mock que je trouve plutôt stylé. Donc l'histoire prend place sur la planète de Abregadorae. Donc voilà, c'est le paysage, hein, des rivières, de la montagne un petit peu, des petites montagnes, et de la terre, et de la beaucoup de végétation. Donc c'est la planète Abregadorae. Et comme vous pouvez le voir, Ahsoka Tano était en patrouille avec trois clones qui sont ici. Ahsoka Tano est ici. Et elle a rencontré Asajj Ventress, qui est là, avec toute une petite patrouille de droïdes, et les deux ont sauté sur les ennemis. Le problème, c'est que Asajj Ventress a tué tous les clones, et Ahsoka Tano a tué tous les droïdes. Donc, je vais vous présenter rapidement ce mock, hein, parce que comme vous pouvez le voir, je vous ai fait un petit diaporama photo. Donc, vous avez ici une petite berge de rivière avec des petites plantes comme ceci. Voilà. Donc c'est des petites plantes de rivière, style roseau. Donc la rivière qui est là, un premier tronc d'arbre, qui est un arbre mort, ici. Et vous en avez un autre ici, donc c'est pour vous montrer un peu la taille des arbres. J'ai fait des arbres assez grands. Donc ça c'est pour respecter la consigne du un arbre près de la rivière. Ensuite, vous avez donc la rivière qui continue. Ici vous avez la scène d'action, donc ça c'est pour respecter la consigne. De l'action, donc il fallait mettre des droïdes contre des clones ou des Jedi contre des Sith, donc bah, j'ai fait les deux. Donc voilà, vous avez ici le coin avec tous les droïdes morts, donc on va zoomer un petit peu, voilà, je vous montre. Donc, hop, petite mise au point, merci. Voilà, parfait. Alors, ce qu'il y a à vous montrer, c'est comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de détails. Ici, ce droïde est en train de se faire trancher en deux. Et puis vous avez pas mal de droïdes morts. Donc celui-là, hop là, voilà, celui-là est mort de façon explicable. Il y en a un qui est dans les branches, un autre dont le corps est un peu éparpillé. Vous avez ici un droïde qui a été décapité. Et là-bas, un droïde qui a été éjecté par la force et qui est en train de dévaler la montagne. Donc qui s'écrasera au sol. Et de l'autre côté, donc là, c'est le massacre d'Asajj Ventress. Hop, voilà. Vous avez ici donc Asajj Ventress qui a tué ce clone. Il y en a un autre là-bas qui saigne sur le torse. Il a dû être transpercé. Et vous avez celui-ci qui est à l'agonie. Donc, qui tend son bras vers... on ne le voit pas trop, son bras. Juste derrière son casque, voilà, si on le voit un petit peu. Qui tend son bras vers Ahsoka Tano. Mais qui va mourir hein, d'ici peu. C'est malheureusement tragique. Mais voilà, oups, j'ai mis un petit coup dans la caméra. Enfin bref, donc voilà, ça c'est la scène d'action tout autour de la rivière. Je vais essayer de me remettre droit et on va dézoomer. Hop. Voilà. Autour de la rivière, vous avez des petites herbes voilà, qui l'encadrent. Vous pouvez voir qu'il y a 2-3 rochers, pas mal. Quelques petits détails hein, sur la rivière. Regardez, vous avez des petits rochers là-bas. Hop. Ici, il y en a un autre près de la cascade. Vous en avez un qui se cache là entre les herbes. Un autre ici, enfin vous voyez, il y en a pas mal. Des petits rochers, donc dans le fond vous avez la cascade, donc la cascade qui va avec la rivière, c'était pas obligatoire, mais je la trouve plutôt stylée. J'aime beaucoup le design en fait de cette cascade, donc on le voit pas peut-être pas très bien, c'est pour ça que je vais un peu vous tourner le mock. Et en fait, vous pouvez voir qu'il y a une excroissance de la montagne, d'où sort l'eau. Comme vous voyez, il y a cette grosse partie. Qui est la source de la rivière, et la rivière coule donc par ici et descend en cascade jusqu'en bas, donc une eau assez bleu foncé. Vous pouvez voir qu'ici, donc ce sont, j'ai mis des petites pièces un peu plus claires pour faire les remous de l'eau, et voilà, et après elle s'écoule tranquillement donc dans la rivière. Mais j'aime beaucoup la montagne, elle est assez haute hein, par rapport au personnage, et puis cette petite excroissance c'est plutôt stylé, je l'aime pas mal. Donc voilà, après vous avez quelques reliefs sur la montagne, hein, quelques reliefs rocheux, ici et ici. Je vais remettre le mock droit, ce sera peut-être mieux pour vous. Voilà, quelques reliefs rocheux et des petites plantes qui ont couru
sur les parties encore un peu en terre de la montagne. Et ensuite, vous voyez qu'on passe à de la montagne pure et dure. Et enfin, je voulais vous montrer ces drôles de plantes. Ça se trouve, elles vous intriguent depuis tout à l'heure. Donc, ce sont des sortes de bambous. Je trouve que ça allait plutôt bien. Ça change un peu des plantes habituelles qu'on voit. Et c'est en fait des petites forêts. Et c'était pour délimiter un peu le moc. Mais c'est vrai que finalement, ça rend pas trop mal. Au début, j'étais pas sûr de les mettre. Puis finalement, je les ai laissés. Mais voilà, ça délimite le moc. Et donc, bah, je trouve que ça rend plutôt sympa. Ça fait un peu. Ça fait de la végétation un peu dense, un peu haute. Un peu à l'image de tout ce qu'il y a sur ce moc. Tout est assez haut. Donc voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout montré. Ici, des petites plaques de sable hein, qui font des petits chemins. Regardez de l'autre côté, là-bas aussi, vous en avez. Donc voilà, bah écoutez, si ce moc vous a plu, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas hein, à mettre, à lâcher, pas à lécher, j'ai toujours du mal à dire ce mot, à lâcher un petit commentaire en bas de cette vidéo. Donc c'est le concours, c'est ce moc et participez au concours de. Je vous mets comme ça, vous voyez bien l'excroissance. On dirait une bouche d'ailleurs, hein. Ça fait vraiment une bouche qui crache de l'eau. Bref. Donc ce moc participe au concours de Ninjago Lego. Donc bah écoute, j'espère qu'il. Je vais essayer de ne pas faire bouger la caméra comme ça. J'espère qu'il te plaira. En tout cas, si vous l'avez aimé, hein, n'hésitez pas à un petit commentaire, un petit pouce bleu aussi, ça nous fait plaisir. Et puis bah, si vous ne connaissiez pas cette chaîne, si tu es tombé. Ah, si tu es tombé sur cette chaîne, mais tu me saoules la caméra. Si tu es tombé, je trouve, pour la troisième fois sur cette chaîne de manière totalement hasardeuse, et eh bien n'hésite pas à t'abonner, ça nous fera toujours extrêmement plaisir. Et puis bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tous les gars.